La chance d'avoir une journée où je fais rien, donc une lazy day, évidemment, je vais en profiter pour me réveiller sans le son super agressant d'une alarme et je vais également en profiter pour rester un peu dans mon lit jusqu'à temps que je sois prête à me lever. Et avant de débuter ma journée, je vais mettre mes pantoufles parce que j'ai toujours froid aux pieds. Je vais me diriger vers la salle de bain et la première chose que je vais faire, ça va être de m'attacher les cheveux en une tresse pour éviter que mes cheveux se ramassent partout dans mon visage. Ensuite, je vais venir me laver les mains pour enlever toutes les bactéries puis tout ça et m'assurer d'avoir les mains propres avant de toucher à mon visage. Pour nettoyer mon visage, je vais utiliser mon nettoyant au charbon de chez Biore parce que vous savez à quel point je l'aime, il laisse vraiment une sensation de fraîcheur dans mon visage et une fois que c'est rincé, je vais utiliser mon tonique de chez Vichy pour resserrer mes pores de peau. Et c'est pas mal juste ça que je vais faire côté soins, par contre la dernière étape dans la salle de bain, ça va être d'appliquer du shampoing sec dans mes cheveux, ce qui est vraiment la solution parfaite si vos cheveux sont pas tout à fait propres mais sont pas nécessairement sales non plus et que vous avez pas envie de les laver. Quand je fais rien de spécial de ma journée, je vais prendre le temps de faire une des choses que j'aime le plus au monde, déjeuner. J'aime vraiment beaucoup les brioches à la cannelle, surtout celles qui sont déjà prêtes. Oui, je sais, la loi du moindre effort. Donc, je vais tout simplement venir les séparer et les mettre dans le four quelques minutes. Donc, pendant que mes brioches sont dans le four, je vais faire le reste de mon déjeuner. Et une des choses que j'aime le plus, c'est les bagels avec des fruits, donc surtout des fraises. Ça, c'est vraiment mes préfs. Donc, je vais me préparer ça tranquillement. Sinon, j'aime aussi boire du lait, mais ce matin, je le mets dans une tasse parce que le matin, j'ai toujours ultra soif et j'en bois toujours beaucoup plus. Pendant que je mange, je vais en profiter pour faire le tour de mes réseaux sociaux tranquillement parce que pour une fois, j'ai pas besoin de me presser, donc je vais répondre à vos commentaires sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et quand j'ai terminé la première partie de mon déjeuner, à ce moment-là, mes brioches étaient refroidies, donc j'ai pu aller mettre mon glaçage dessus et je vais vous avouer sans aucune honte que j'en ai mangé deux parce qu'elles étaient vraiment excellentes. Puis quand je vais avoir terminé mes déjeuners, je vais tout simplement aller me brosser les dents parce que même si c'est une journée relaxe, c'est une étape qui n'est pas à négliger. En général, quand j'ai une journée où je fais pas grand-chose, j'aime ça laisser respirer ma peau le plus possible, mais si comme aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire un petit peu plus tard dans la journée, je vais quand même faire un petit effort. Donc évidemment, je commence toujours par hydrater ma peau avec le Skin Perfector de Marcel. Et oui, en passant, je regarde toujours un film quand je fais mon maquillage le matin. Ensuite, je vais prendre mon correcteur Fit Me de chez Maybelline et le mettre sur mes rougeurs ciblées. Ensuite, je vais prendre une peau de matifiante pour venir fixer le tout et égaliser mon teint. Et sinon, pour me donner un petit peu de couleur, je vais mettre un blush rose de chez NYX. Pour les sourcils, je vais juste venir combler les trous avec mon crayon de chez Annabelle et pour avoir l'air un peu plus réveillée, je vais appliquer un crayon beige de chez Rimmel dans ma muqueuse du bas. Finalement, je vais appliquer mon mascara préféré du moment, le Better Than Sex de chez Too Faced et pour que mes lèvres restent hydratées, je vais mettre mon baume à lèvres de chez Malin & Goats et c'est vraiment juste ça que je fais côté maquillage. Pour mes cheveux, je vais les laisser complètement au naturel. Vous me direz sinon dans les commentaires si ça vous intéresse de voir mon maquillage de tous les jours sinon. Pour le reste de ma journée, je vais faire tout ce que j'ai plus ou moins le temps de faire quand je vais à l'école ou quand je vais travailler. Donc regarder des films ou des séries télé, répondre à tous vos commentaires et messages sur mes réseaux sociaux, lire des magazines ou un livre sur mon lit et surtout rester en pyjama. Donc j'espère que vous avez apprécié ma routine, n'oubliez pas de me dire en commentaire quels autres types de routines vous voulez voir et à la prochaine, bye tout le monde! All that I could say was...